Précédemment dans Steins Gate. Si vous lisez par rapport aux lignes de cet email, on dirait qu'ils sont en train de faire une sorte d'expérimentation secrète. Et puis, Robert Zemeckis, je pense que c'est une référence à un réalisateur connu d'Hollywood. Je pense que c'est une référence à un truc. Ah, d'accord. Ok, normalement c'est un retour vers le futur, je pense. Il a réalisé une trilogie de films à voyage dans le temps il y a 20 ans de cela. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF, et on se retrouve pour un nouvel épisode, épisode numéro 10 de notre Let's Play sur Steins Gate. Oui, je sais, il y a eu pas mal d'épisodes qui ont été un petit peu en retard et je m'en excuse. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que c'était un peu compliqué avec le boulot. Avec aussi Dagarampa 3 qui a pris pas mal de temps en ce moment. On termine quasiment Dagarampa. Au niveau Dagarampa 3, on n'est pas loin de la fin de cette série. Et donc du coup, maintenant, on peut reprendre le jeu. Il faut savoir que depuis la dernière fois que j'ai tourné cet épisode, il y a eu deux informations très 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 importantes. Alors la première, c'est que Steins Gate est actuellement disponible sur PC et sur Steam. Il est actuellement à 27,49€ sur Steam. Moi j'avais la version Just USA, donc la version qui était déjà disponible sur PC, mais qui n'est pas la même version, parce que la même version est un peu différente. Donc, cette version HD de Steins Gate, donc cette version entre guillemets HD, hein. Voilà, un peu trop fort quand même. Hey, please. Donc, oui, à chaque fois c'est toujours trop fort. Faut que je baisse un peu le son, parce que à chaque fois c'est toujours hyper fort la musique d'intro, toujours. Mais bon, voilà, c'est le truc. Donc, comme je vous ai dit, par rapport à Steins Gate, donc du coup, Steins Gate est disponible sur PC, à 27,49€ sur Steam. Je n'ai pas encore pu la tester encore, mais je vous conseille de l'acheter si vous n'avez pas encore joué au jeu, parce que ce jeu est génial, tout simplement, et qu'il faut en profiter un maximum, parce que ce jeu est vraiment très très bon. Et franchement, j'ai hâte vraiment de pouvoir reprendre, du coup, Steins Gate avec vous. Allez, sur ce, reprenons donc notre histoire. Interpreter Rendezvous, chapitre 2. Allons-y. What is that? Tout d'un coup, la prédiction de Titor est devenue une réalité. Et oui, parce que dans le dernier épisode, nous avons découvert que justement, il y avait des expérimentations spéciales qui provoquaient des mini-trous noirs. Donc voilà. Donc CERN savait qu'on utilisait le LHC pour générer des petits trous noirs. Mais ils ont annoncé que la réfrigération n'avait pas encore fonctionné, alors pourquoi? C'est pas la voix, c'est la voix d'Itaru, mais bon, voilà. C'est ce que Titor donnait lorsqu'il disait « Ne croyez pas à ce qu'il dit ». Mais le but de ces expérimentations n'était pas de créer des petits trous noirs, c'est de créer des nouvelles particules élémentaires, des réactions des particules élémentaires. Daru ne laisse pas ses yeux partir du moniteur. Mais en réalité, ils sont déjà en train de générer des petits trous noirs. Mitai dana. On dirait bien. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Human is dead mismatch. 詳細 は別紙ゼリーマンズレポートナンバー14を参照. Résultat erreur. Humain mort. Dommage. Mismatch plutôt. Dommage plutôt. Malheureux, entre guillemets, mismatch plutôt malheureux, je sais pas comment expliquer mismatch, je pense que je pense que certains vont me dire ah bah oui mais c'est facile que ce soit ça, mais bon, comme vous savez, des fois le monde anglais est un peu des fois difficile, mais en traduction live, donc voilà. Pour des détails, regardez le report de l'homme gélifié, numéro 14. Lifter no chose, oyobi. Nous proposons que les expérimentations suivantes soient soient arrêtées jusqu'à ce que le lifter entre guillemets soit perfectionné et que tous les points de conformisme local sont en ligne. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça veut dire? Human is dead, t'es... Hito ga shinda t'es imi jane? Humain est mort, c'est-à-dire quelqu'un est mort, n'est-ce pas? Quelqu'un est mort? Sérieusement? Je grogne un peu. C'est plus une blague à présent. Quelque chose de très sérieux est en train de se passer. Peut-être qu'on est trop loin. Peut-être qu'on est allé trop loin. Et qu'est-ce qui se passe si on l'était? Je ne suis pas... J'ai pas peur. Je ne le suis pas, après tout. Je suis le scientifique fou. Mon Nikoma! Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je ne contrôle plus ma curiosité. Maintenant que j'ai les preuves de leur méfait, les ignorer me laisserait un goût amer dans la bouche. Ma gorge vient assécher. J'avale ma salive. Dans une attente à garder un peu de sang froid, je me tempère pour être si faible d'esprit. Jelly Man's Report, というのは何だ? C'est quoi le Jelly Man Report, enfin les rapports Jelly Man. J'appelais ça rapport Jelly Man parce que c'est plus facile, parce que rapport de le mangelé, j'aime pas trop. Daru frappe alors qu'il répond à ma question. Et il clique ça, enfin plutôt il fait un petit mouvement de langue. Jackson's mail n'y a miyatarai na. Daruga motto erai hito ka server kanrisha no pass o teni irenai to. Je ne trouve pas dans les emails de Jack. Il faudrait un compte avec plus de privilèges. Dewa sore wa ato mashi da. Time machine nitsuite sagashite kure. Donc on se fera ça pour la prochaine fois. J'ai quelque chose à propos de qui relie à des machines à voyager dans le temps. さすがに出てこないんじゃね? Tu sais que tu vas rien trouver, non? Après ça, Daru passe les 15 prochaines minutes à regarder sur les mails de ce chef de l'accélérateur de vision. Mais il ne trouve rien en rapport avec des machines à voyager dans le temps. 加速器技術委員会とか LHC 計画責任者とかって単語が出てきたからその辺の ID を検討つけて探すかな。そっちからならもっと突っ込んだ情報が手に入るかもしれんわな。Des mots comme comité de technique d'accélération et le projet, enfin plutôt le leader du projet LHC sont arrivés, mais je pense qu'on devrait trouver un identifiant là-bas. Je pense qu'on aura plus d'informations à ce moment-là. Jackson's ID では調べられないのか。Tu peux pas le regarder avec l'identifiant que tu as. Daru, fais un mouvement de tête. Eh bien, je pense qu'il faut dire que c'est fini pour aujourd'hui. Chinamini sa. Ima miteta no ga Serun no ichiban dekai server nan da kedo, jitsu wa mou ikko myou na database ga atta nda yo ne. D'ailleurs, ce qu'on a vu, c'était le grand serveur du CERN. Mais j'ai trouvé aussi une étrange base de données dans ce réseau. Mio, étrange comment? Bug. C'était buggy. Bug. Buggy? Ya bug tsuka. Ichio programme no code rashiki mono wa dete kuru nda kedo. Je veux dire, il y a eu plein de sortes de codes spéciales. Mo imi fu sugite muchakucha tsuka. Mattaku motte kaidoku funou desu. Hontou ni arigato gozaimashita tsuka. Mais le code c'était du charabia, j'arrivais pas à le décoder. Merci beaucoup. 暗号化されている可能性は? Est-ce qu'il serait encrypté? あれは暗号には見えないのだぜ。そもそもプログラムとして成立してないんだよね。ただそんな誰にも見られないようなデータベースがなんで置いてあんのかは気になる。Pas par un algorithme que je connais en tout cas. Ce ne fonctionne même pas comme un programme. Ça m'inquiète. Pourquoi ils auraient une base de données que personne ne peut lire? 気になるな。C'est étrange, effectivement. ちょっと解析してみるよ。Je vais voir ce que je peux trouver. Daru essaie tous ses tours de main pour essayer de récupérer cette donnée mystère. Mais après une heure, les pistons les pistons qui ressemblent à des pouvoirs commençaient à augmenter. Et finalement, il frappe le clavier de frustration. Ah, wakaran! Zenzen wakaran!
Merde, je ne comprends pas, je ne comprends absolument pas. Non, c'est un programme, je n'ai pas, boké. Shine Kasuga, wicked! Tu appelles ça un programme, espèce de couillon? Va aux enfers! Oh, il a craqué. Je pense que tu devrais arrêter. Mayuri, enlève son... pose ses éléments de couture et se dirige vers Daru avec un regard inquiété sur son visage. Ma tête tourne, je peux plus faire rien sur la... Fouet. C'est mal. Daru est en train de complètement craquer. Peut-être que je le pousse un peu trop loin. Ça fait depuis le jour qu'il est levé. J'imagine qu'il est à sa limite. Bon travail, va te reposer, Daru. Ouais, je vais faire ça. Toutefois, même si c'était un bug, même si ce n'était pas un bug ou un programme actuel, il n'y a que les gens qui auraient pu le créer qui auraient pu le comprendre. Je n'ai rien vu de tel. Un programme comme aucun qu'il n'a vu. À ce moment, la musique saute de ma poche. Et c'est quoi? C'est un mail. Oui, bien. John Tyler. Oh oh. Est-ce que tu es honnête? Si tout ce que tu dis est vrai, alors nous avons beaucoup à parler. Particulièrement concernant la fonctionnalité cachée du IBM 5100, que je n'ai mentionné à personne pour l'instant. Je suis surpris que tu saches à propos de tout ça. Toutefois, je ne suis pas allé à l'an 2000, mais il est possible que j'y aille plus tard. Il y a trois explications possibles. Premièrement, le John Titor que tu as rencontré en 2000 était mon futur moi. En d'autres termes, j'irai en 2000 plus tard et écrirai les choses que tu m'avais dites. Mais ça causerait un paradoxe du poulet de l'œuf. Secondement, tu es totalement fou et tu crées des choses. Donc si tu veux, et pour une question sérieuse, mettons ça à part. Troisièmement, tu as dû voir ce que j'ai écrit dans une différente ligne de temps. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, tu as existé dans une différente ligne de temps que celle qu'on est actuellement. Toutefois, ça pose une autre question. Quand cette ligne de temps change, la chronologie est reconstruite du passé vers le futur pour éviter un paradoxe. Ça a été prouvé en 2036. En d'autres termes, il serait impossible pour vous de reconnaître des mémoires d'une précédente ligne de temps. À moins que vous êtes également un voyageur dans le temps, je l'imagine. Est-ce que tu as une idée de ce que... vous avez une idée de ce qui aurait pu causer tout ça? À ce moment, la musique donc vient de ma poche. J'avais ma salive. Un flash va dans ma tête comme un choc électrique. Je dis un peu trop vite. Ça fait beaucoup de texte, mais ce qui m'intéresse, c'est les quelques premières lignes. Soka. Imo. Bien sûr, tout est en place maintenant. De quoi tu parles? Mayuri me regarde à moi curieusement, mais je n'ai pas le temps de lui répondre. Je suis en train d'assembler les pièces dans ma tête. John Titor, c'est le Time Machine. John Titor, le CERN, la machine voyageant dans le temps, ces choses sont toutes connectées. Mais maintenant, j'ai une autre pièce du puzzle. Je frissonne à ma propre connaissance. Daru, je pense comment savoir comment lire ce programme. Eh, majide, doyatte? Sérieusement, comment? Je mets ma caméra photo, mon appareil photo de mon téléphone
sur l'écran qui est donc qui met la data buggée entre guillemets, la data mystère, et je lui fais une petite photo. J'attache ainsi un message. Est-ce que ce code vous paraît familier? Et je l'envoie à Traitor. Une donnée mystérieuse dans le CERN. Un programme comme n'importe quel. Qu'un programme que le super hacker Daru n'a jamais vu. Cette vraie forme est. Si ma pensée est correcte, John Titor devrait savoir. Hein? Hein, mais c'est pas possible! Dis ce que tu veux, je pense qu'on le soit bientôt. Nous attendons pour la réponse de Titor. Même si ça fait que quelques minutes, on dirait une éternité pour moi. C'est là! John Titor. Oh! Comment tu as trouvé ça? C'est écrit dans un langage propriétaire IBN, langage de programme IBN, qui était utilisé avant 1975. Tu ne peux que le déchiffrer qu'avec un IBN 5100. Et référence à l'épisode précédent, et à l'épisode de hors-série. Oui, j'avais dit qu'il y avait un épisode de hors-série qui normalement devait sortir. Malheureusement, j'ai eu quelques problèmes qui ont fait que malheureusement, j'ai pas pu le sortir tout de suite. Mais il est prévu de le sortir en ce mois-ci. Donc du coup... Enfin, ce mois-ci ou le mois d'octobre, mais le problème c'est que le mois d'octobre ce sera le mois d'externie, donc on verra comment on fera pour essayer de se goupiller ça, mais je sais pas que vous comprenez que c'est pas facile en ce moment. Donc c'est là. Ah oui, bien. J'ouvre le mail. Et ses contenus me suffisent à avoir des frissons dans tout mon corps. Yaharina. Comme je l'avais suspecté. Yahari te? Hein? Daryo. Ore no yosou wa tadashikatta. J'avais raison, Daru. Hanmei shita zo. Sono programme no shoutai ga. Je sais d'où vient cette data. IBN 5100. Un IBN 5100. Ce rétro PC légendaire. Qui a une fonction spéciale. En effet, en fait, il y a pour plus de 25 ans. Pour les 25 ans, et après qu'il soit arrivé en marché en 1975, personne ne connaissait, personne ne connaissait cette fonction spéciale, à part quelques ingénieurs de IBN. Cette fonction a été montrée par le John Titor qui est apparu en 2000. Un peu après que Titor ait posté ça, un ingénieur d'IBN a admis que cette fonction cachée existait. Ce qui me rappelle, j'ai parlé à Suzua à propos de ça seulement hier. APL et Basic qui ont été écrits avant de se faire, IBN ont été écrits avec leur propre langage de programmation. Ça peut déchiffrer le programme propriétaire de IBN, programme IBN, qui aurait été écrit avant les APL et le Basic. Pour que ces deux-là deviennent, on va dire, des mainstream, entre guillemets. Ce n'est pas surprenant. Maintenant, c'est un approche de programme mort, seulement déchiffrable avec quelqu'un, IBN 5100. Quelle incroyable coïncidence. Un exemple de synchronicité au travail. C'est presque comme si un pouvoir divin était en train de manipuler tout, manipuler les marionnettes. Ina, danjite Ina da. Warera ni totte kono hakken wa masani hitsuzen. Kore ko sa Steins Gate no sentak da toukoto da. Non, je dis, cette découverte de notre part est inévitable depuis le début. Ceci est le choix de la Steins Gate. C'est-à-dire que Serum a IBN 5100 utilisé cette database pour construire. Donc, sans une machine complète, donc le CERN a une base de données de la IBN 5100. Ces machines ne sont pas compatibles avec n'importe quel ordinateur actuel. Mais pourquoi on ferait quelque chose comme ça? Naraba kiku ga. Gaibu kara no cracking ni taiseru
Réponds à cette question. Quelle est la meilleure façon de sécuriser une machine contre un piratage externe? Eh bien, le rendre unique, en fait. Daru comprend facilement l'intention de ma question. IBN 5100 de shika kaidoku dekinai nara, sore wa gichideki na standalone te wake ka. Si seulement les IBN 5100 sont capables de le lire, je pense que ça peut être effectivement une sorte d'unique, en parlant d'une certaine façon unique. Yueni, soko ni nemuru no wa, Seren ni totte, saijuyou no kimitsu da toyoukoto da. Ce qui veut dire que CERN garde ses secrets les plus importants là-dedans. Tsuka, Okarin wa nande sono kakusareta kinou no koto shitteru? Mais comment tu sais? Comment tu sais cette fonction spéciale après tout? Ore no atama no naka ni nemuru, bōdai na index ni kijutsu sarete iru. Tou demo itte oko. C'est inscrit dans mon index Librorum Prometrium, inclus dans mon cerveau. Tider l'a dit lui-même il y a 10 ans. Et personne ne me croirait absolument pas si je lui dis la vérité. Très original. J'ignore la répartie de Daru. Mayuri, daijina hanashi ga aru kara atsumare. Mayuri, nous avons plein de choses à dire. Assemblez-nous. Je peux t'entendre bien d'ici. Mayuri est en train de coudre. Elle ne s'enlèvera pas de ce canapé. Je m'en fiche que tu l'entendes ou pas. Cette réunion concerne le futur de ce futur le destin de ce futur gadget laboratory. Plutôt non, du futur du destin de la vie d'Anikai. Alors, je veux que ce soit plus secret, comme si on était en train de réparer les choses ou quelque chose comme ça. C'est important qu'on garde ensemble l'écran et qu'on échange des lignes dramatiques. Cette atmosphère-là est un peu trop faible. C'est la faute de Mayuri. Mayushi ne participera pas dans vos trucs méchants. Bordel. Ah, je peux pas avoir quelque chose de ma façon de ça. Futari tomo kike! Kore yori Mirai Gadget Kenkyūjō wa Kinkyū Gokuki Sakusen wo hatsudō saseru. Écoutez vous deux, dessus maintenant, le futur Gadget Laboratory sera on va commencer des opérations spéciales top secrètes urgentes. Sekai wo kage kara ayatsuru kyōdai na yami to no tatakai no dai ippo to naru daro. Teki wa Seren. Ce sera le premier étage de notre guerre contre les grandes et malheureuses forces démoniaques qui manipulent ce monde depuis les ombres, tout simplement. Manipulent le monde depuis les ombres. Notre ennemi est CERN, un institut scientifique engagé dans les recherches les plus maléfiques possibles. Okarin, koe deke. Tetsuya Ake ni a kitsui ssu. Ogarin, tu parles trop fort. Et j'étais là toute la nuit. J'imagine que je jouais trop fort. Ce genre de... Ça ruine un peu le secret. Plutôt le sentiment du secret. Mais en plus, la fenêtre est ouverte aussi. Donc si Zuba nous entend là-bas, je suis sûr qu'elle pourra entendre tout ce qu'on dit. Alors, je descends un tout petit peu mon ton. Ika. Vous avez compris, le monde n'a pas besoin de deux scientifiques fous. Alors avant qu'ils puissent nous avoir, nous devons les dépasser. Yatsura te? Qui sont-ils? Yatsura wa yatsura da. Vous savez, tu sais eux. Mayushi wa zenzen wakannai yo. Mayushi comprend pas du tout en fait. Kono Akiba no dokoka ni aru toyu maboroshi no retro PC IBN 5100 o tenni ireru. Basiquement, nous devons obtenir le fantôme, le rétro PC fantôme. L'IBN 5100 dit qu'il est localisé quelque part dans Ikaba. Dans Akiba plutôt.
Je fais une déclaration magnifique, mais Daru se frotte les yeux. Et Mayuri retourne à sa couture. Ah, j'imagine que rien nous ferait agir. Nous avons découvert un complot massif ici. Comment vous êtes pas excité là? Je cherche un passe. マジで寝させてよ. それとセルンの中をもっと探りたい件について。J'arrêterai, c'est je passe sur la recherche. Je suis fatigué. Et en plus, il faut que je continue à combiner les informations du serveur de CERN. そうだったな。C'est vrai. まあ、それができるのはダルだけなのだから、そっちは任せる。Eh bien, tu es le seul à pouvoir le faire, Daru, donc je vais te le laisser. では、IBN 5100の捜索は、俺と。無理だよ。Attendez, oh.Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Comme quoi. Donc, l'investigation pour le ABN 5100 sera consultée de moi et de Mayuri. Je peux pas, en fait. Mayuri se fait un visage désolé. Je vais faire des costumes et en plus, je dois travailler aussi. Hein. Donc, basiquement, vous êtes en train de me dire que je suis seul avec le seul avec du temps libre. この件は俺が何とかする。そうと決まった以上、俺のやり方に口出しは無用だ。分かったな。OK, je vais y aller tout seul. C'est inutile de me stopper, OK? Vous avez compris? また何か悪いことしようとしてる？ Tu vas faire quelque chose de mal encore? いや、口だけじゃね。Non, non, il parle juste. J'ai laissé mes camarades inutiles et je suis sorti du labo.Je suis allé dans la rue. Immédiatement, comment appeler ça ? Un vélo qui est rapide, on va dire, s'arrête juste devant moi. Hi, Okabe Rintaro. Hello, Okabe Rintaro. Il se sort de son, descend de son vélo. Et donc elle me fait un étrange chalut. Je veux dire, est-ce que tu es américaine ou quelque chose comme ça? Mais je suis distrait par son nouveau vélo tout mignon. Tout brillant. C'est le même genre de vélo qui était en face du Brown Tube Workshop hier. J'imagine que ça doit lui appartenir. Je me demande combien ça a dû le coûter. J'imagine que ça va être assez élevé comme prix. Nakanaka no tech da na. Assez belle technique ici. Jitensha tte honto tanoshi yo ne. Atashi jitensha noru no tte kono machi ni kite kara ga hajimete de sa. Les vélos, c'est cool, non? Je veux dire, j'en ai jamais eu un avant de venir ici. Hajimete? Jitensha ni? T'as jamais eu un vélo? So. Bike wa yoku notte tan da kedo ne. Non, j'ai juste eu des motos avant. C'est pas le contraire normalement. Étrange fille. Mais qu'est-ce que c'est que ces ces freins? Je vais trop vite, mon dieu. Ah, voilà. J'imagine. Qu'est-ce que c'est que ce freinage un peu là, je veux dire, c'est un peu dangereux si elle avait essayé d'aller faire ça durant toute la ville. Les débutants deviennent prétentieux et ils vont dans des accidents. Vous voyez ce pattern tout le temps. Donc si tu vas au moins à pleine vitesse, au moins porter un casque. Oui, je vous conseille d'avoir un casque. Vous allez tu vas au boulot là? Effectivement. Le Brown Tube Workshop, enfin les portes du Brown Tube Workshop sont ouvertes, mais on va dire plutôt pas les chutes, mais les volets sont ouverts, mais le magasin lui-même n'ouvre pas avant 11h ou midi. Je ne sais pas exactement quand. Il me semble que ça change avec l'humeur de Monsieur Brown. C'est parfait. On a quelque chose qu'on doit parler. これから開店準備しなきゃいけないんだよね。Oui, mais je dois m'occuper à ce que le magasin soit prêt pour le boulot. このオンボロブラウン管屋に何を準備することがある？
Attends, mais qu'est-ce qu'il y a besoin pour que ce vieux magasin, le Broad Big Workshop, ait besoin d'être prêt? Non, mattaku. Mise no mai o chiro chiro to haki souji suru gurai. Naka wa souji shiyou to suru to tenchou ga okoru shi. Kore ga kanpeki na haichi nan da yo tte. Rien. Je balaye juste devant la devanture. Si je nettoie l'intérieur, le boss sera en colère. Il me dit tout est là où il devrait être, il me le dirait. Alors il la paye pour ne pas faire le nettoyage. Quelque chose est étrange avec ce mec. Donc comprends, on dort bien ici. Mais je suis tellement fatigué. En retourne, elle ne semble pas vouloir parler. Je la regarde fixement. Tu ne serais pas avide de me mettre en colère. Ça va vraiment maintenant? Mon regard n'est pas très effectif. Elle ne bouge pas d'un iota. Mais je maintiens toujours mon expression froide et j'acquiesce. Alors vas-y. Suzuha hausse les épaules alors qu'elle bloque son bélo. Puis elle se tourne vers moi. Mais cela court, ok. IBN 5100. Où est l'IBN 5100? J'ai aucune info. Fume. Nani? Quoi? Fumei. Je sais pas. Ah, un mail. Mail. Fabrice. Do you need a cloud, Mian? Salut, Caris. C'est suffisant. Je ne sais pas. Oh. Mais d'ailleurs, tu l'as parlé hier. Enfin, tu as parlé hier. Il me semblait que tu le savais pourtant. Non, mais je sais quelqu'un qui sait. Naraba. Sono shiriai no tokoro e annai shite morau. Iya da to wa iwasen. Kyohi sureba. Omae wa kono yo no jigoku o miru koto ni naru. Alors ramène-moi à eux. Je ne prendrai pas non comme une réponse. Refuse et je te ferai vivre un enfer sur terre. Je ne peux pas. Mais vas-y, dis que je ferai vivre un enfer sur terre. Je ne peux pas te l'introduire même si je voulais. Que veux-tu dire? Tu crois que tu me dis pas que c'est des gens une machine? Ils sont morts depuis des années. Non. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas, ça ne dérange pas. Par contre, il y a quelque chose que je pense. Il n'y a rien que je puisse te dire. Par contre, j'espérais que tu puisses me dire quelque chose. Suzuha me tape sur les épaules. Étrange. On dirait que c'est plutôt moi qui a besoin d'être réconforté. Juste après, Mr. Brown ouvre la porte et fait son apparition. Hey, Baito! Mada mikame nano ni chikoku shiten ja ne! Hey, temps libre, temps partiel! Temps partiel. On va appeler ça temps partiel parce que c'est plus simple. C'est mon troisième jour et tu es en retard! Oh, tencho! Gome, chotta asa kara tatekondete sa! Désolé patron, c'est juste que les rues étaient un peu trop chargées aujourd'hui. Majime ni yaranai nara itsudemo kubi ni suru kara na. Si tu ne prends pas ça sérieusement, je peux toujours te flanquer à la porte, n'est-ce pas? Okabe mo. Uchi no baito ni te tsukeyou to shiten ja ne zo. Et pourtant Okabe ne met pas un doigt sur mon petit temps partiel. C'est très moche quand je dis ça. Yoku jou shiteiru no wa anata dewa nai no ka? Ah, tu n'es pas le méchant ici, Mr. Brown. Lâchez-vous, je sais pas ce que ça veut dire, donc je... Désolé si je fais une erreur. Essaye de dire ça devant Nae, et je te meurs, et je te ferai moche. Je te triperai, ok? Je vais regarder mon honneur en tant que père.
En plus, j'ai pas besoin d'une fille aussi, aussi faible, aussi frêle qu'elle. C'était quoi ça? Retire ça, boss! Point patron, Suzue est que tu me mets en colère en plus. Non, d'ailleurs. Hein, t'es en colère? Je ne suis pas une enfant, je suis une combattante. Ah? Omae, nani tenda? Hein? De quoi tu parles? La passion brûlante de Suzue. Choque le manager, choque le patron. Moi par contre je suis impressionné. En impulsion, je prends la main de Suzue et je la tiens fermement dans mes mains. J'aime ton regard dans tes yeux, espèce de guerrière à temps partiel. Il brille de radiance à chaque fois de la bête qui est inconnue dans chaque homme. N'oublie pas ses yeux à toi et tu changeras sûrement de place en tant que part-time, donc de guerrière à temps partiel à vraie guerrière. Mais je suis déjà une guerrière. Ragnarok no akatsuki ni wa tomoni tatakao dewa nai ka. Shōjin suru ga ii. Reste entraîné et nous devons avoir une place pour toi dans le field of Ragnarok, donc dans le champ de bataille de Ragnarok. Ragnarok, si vous me demandez ce que c'est, alors du coup, je vais faire un petit peu de glossaire un petit peu là pour aujourd'hui. J'en profite pour faire du glossaire. Parce qu'il y a encore pas mal de glossaire encore à voir. Et surtout Ragnarok qui m'intéresse, parce que Ragnarok, c'est vrai que Ragnarok, je pense que certains ont connu un petit peu la référence. Le Ragnarok, c'est la fin du monde dans le monde nordique. En fait, lorsque le monde terminera, il y aura le Ragnarok et tout changera. En gros, c'est un peu ça, hein. Je résume un petit peu, mais je pense que certains vont comprendre un petit peu ce qu'il en est. Ragnarok, donc, du coup, c'est la guerre finale des dieux avec... C'est très compliqué, je conseille d'aller voir. Alors, c'est vrai que certains n'aiment pas trop le personnage, mais... Par exemple, je sais qu'il y avait... Il y avait par exemple Nota Bene qui avait fait une vidéo sur le Ragnarok. Et c'est vrai que c'était un peu intéressant, je trouvais. Après, l'HTML, l'HTTP, comme je vous dis, l'HTML... c'est le fameux HTML que vous connaissez tous sur Internet qui vous permet donc de créer des documents Internet en tout général. Et HTTP, c'est le fameux Hypertext Transfer Protocol qui est le fameux HTTP /./, hein, c'est exactement ça. Après, il n'y a pas grand chose de nouveau. Anthropomorphisme, je vous l'avais peut-être montré. Anthropomorphisme, c'est quand il y a une. En gros, lorsque on a une catgirl, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire que c'est un chat qui est transformé en humain. Ou par exemple, lorsque des organisations comme les pays sont anthropomorphisés, par exemple Italia et de l'anthropomorphisme, par exemple, concernant différents personnages d'Italia, il y a Italia, donc Italia, qui est donc le personnage principal, l'Italie, qui est en fait, bon, c'est un truc sur la Deuxième Guerre mondiale. En fait, l'Italie, c'est le personnage qui se rend tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu le vois arriver, tu le vois avec un bras pour blanc en train de dire « Italia, j'ai pas envie de me battre, bordel !» Voilà, quoi. L'APL, c'est un programming language. Donc, c'est un langage de programmation qui a été rendu en 1964. Et le basique... C'est le Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Et c'est un programme pour débutants. Les gages de progression pour débutants. Qui a été beaucoup utilisé dans les années 70. Et qui est un petit peu utilisé maintenant. Un peu moins maintenant. Mais quand même un petit peu utilisé. Le cracking, comme je dis, c'est le hacking. C'est le principe du hacking. En gros, par exemple, lorsqu'on fait un hacking. Un cracking, en gros. Par exemple, imaginez un truc avec un mot de passe. C'est-à-dire que si on réussit à craquer le mot de passe, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, on réussit à outrepasser le mot de passe pour rentrer dans la base de données, par exemple. Ce genre de choses.
Le Ragnarok. Suzuwa a l'air confuse. C'est quoi ça? C'est le temps. Saishu Kessen. La guerre finale contre Serbe. Sonna no okiru yotei ga anno? Aru nara zehi sanka suru kedo, kiita koto nai na. T'as quelque chose de ça comme ça pour plaisir? Compte-moi si tu as besoin, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Atarimaeda. Ima hajimete akashita no dakara na. Ragnarok wa ore ga okosu. Sekai wo tsukuri kaeru tame ni da. Et bien sûr que t'as pas entendu, c'est la première fois que je le révèle, parce que ce sera moi qui initiera le Ragnarok, et le monde sera rené, rené, bordel. Oh, Okabe Rintaro te va isamashi jan. Douce shippai suru daro kedo, sono kokoro iki wa suki da yo. Tu es brave, Okabe Rintaro, tu as sûrement trompé, mais j'aime ton esprit. Watashi no nakama mo... J'espérais que mes camarades seraient aussi intéressés que toi. Apparemment, Suzuwa a des camarades. J'aimerais qu'on puisse m'introduire à eux. Cette fois-ci, je pourrais former mon armée personnelle, les croisés du phénix. Attends une seconde. Attends, c'est-à-dire que. Elle assume que je vais rater au Ragnarok. Je veux dire, comme si j'avais besoin de je pense que j'ai besoin d'insigner la peur de Onikama dans cette fille. Pourquoi ce magasin? Pourquoi mon magasin attrape que des étrangetés, bordel? Toutefois, temps partiel, entre à l'intérieur. Je viens! Tiens, ne! Okabe Rintaro! A plus tard, Okabe Rintaro! Suzuwa me fait un salut me fait un petit clin d'œil avant qu'il rentre dans le magasin. Okari! Mate! Attends-moi, Okarine! Et puis Mayuri est descendue par les escaliers, passant après Suzuwa. Yahari, Issoni Sagasuki ni datta ka? Ii Labomen Seishin da! Alors tu vas m'aider à chercher après tout? C'est l'esprit d'un laboratoire member. Ah non, c'est pas ça, je pensais qu'on pouvait acheter à manger. Elle est vraiment une gloutonne. Ce n'est même pas l'heure de manger. Alors où voudrais-tu aller? Hein? Quoi manger? Mayuri place son doigt sur sa lèvre inférieure en pensant alors qu'elle marche. Sambo no gyudon mo ii na. Un bol de sambo du bœuf de sambo me semble bien. Cette petite fille a vraiment de cran pour manger du sambo tout seul. Cette place n'est pas comme les magasins de pleins de fast-food avec les restaurants comme ça sont c'est pas des machines de chaîne avec leur menu coloré et des intérieurs bien allumés. Les premières fois qu'ils viennent, ça me paraît, elles sont un peu étranges par le style old school. Plus, la clientèle est vraiment exclusivement mâle. Mayuri, ne t'inquiète pas, elle reste ici, elle s'assoit à côté des étudiants et des employés, souriant alors qu'elle mange ce bol de bœuf. Toutefois, les sambistes, enfin sambistes, je pense que c'est sambo, je pense que c'est bœuf sambo, je pense que c'est un particulier quoi. Je sais pas comment expliquer, mais sambistes, en fait, je pense que c'est un truc par rapport au style de magasin. Je pense que c'est des magasins, tu sais, vous voyez, c'est des magasins où on peut rentrer. En gros, c'est en fait une sorte de petit magasin où tu peux, enfin plutôt petit restaurant, si je me trompe pas, qui rentre par une sorte de
petit. Alors, je sais pas si c'est vraiment parce que je sais qu'il y a plusieurs styles. Il y a les styles avec directement des chariots. Normalement, c'est surtout pour des pâtes, pour des nouilles. Et je sais qu'il y a un truc un peu plus différent. En fait, tu rentres via une porte qui ressemble à une porte normale, mais qui est en fait en bas, à base de rideaux. Et après, tu rentres dans le magasin. Donc, c'est pas dans le magasin, dans le restaurant. Donc, après, peut-être que certains vont me dire c'est pas vraiment ça, et on m'engueule sur les commentaires. Comme je dis, je ne suis pas allé au Japon, j'aimerais bien y aller un jour. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien aller un jour, quand j'aurai malheureusement, quand j'aurai plus de monnaie pour le faire. Mais franchement, aller au Japon, ce serait cool pour un petit voyage, parce que c'est vrai que j'ai connu quelques personnes qui sont allées au Japon, qui m'ont dit des choses différentes au Japon, et j'aimerais quand même y aller un petit peu pour justement parler du Japon, voir comment le Japon fonctionne un petit peu. Parce que c'est vrai que le Japon, c'est vraiment là où ma majorité de mes jeux préférés sont. C'est-à-dire qu'il y a très peu de jeux américains que j'apprécie. C'est souvent des jeux, japonais. Et pour le bar, c'est souvent des visual novels, comme celui-ci. Donc du coup, c'est important pour moi. Donc, les coutumiers du Sambo postent des commentaires en ligne en disant « Là, la déesse est arrivée » ou « La déesse pour la victoire ». Mais Sambo n'est pas aussi ouvert, n'est pas rapidement ouvert ce matin. Mais... J'essaie de m'inquiéter, mais Mayuri n'est plus là. Elle est partie. Mayuri disparaît comme ça quelques temps, souvent quelques temps. Et à chaque fois qu'elle le fait, je me demande pour une seconde terrible si elle a disparu de ce monde. Je regarde et je vois Mayuri qui est debout, loin devant moi. Elle regarde le ciel par-delà les bâtiments. Et on est reparti. Elle est restée en plein milieu de cette rue. Alors que les autres piétons le regardent, se demandant ce qu'elle fait. Mais elle ne s'inquiète pas avec leur regard. Elle reste juste lentement. Elle regarde plutôt. Elle regarde le ciel comme si elle était en transe. Puis elle reste dans cette position. C'est une des habitudes de Mayuri. J'appelle ça la poignée de main. La poignée de main de la poussière d'étoiles. Stardust Jack. Mayuri dit que elle aime regarder le ciel étoilé, et depuis qu'elle était toute jeune. Sa raison est romantique, ou peut-être un petit peu puérile. Je sens que je peux atteindre les étoiles. Mais quand je lui ai demandé une nouvelle fois un jour, elle a juste souri et m'a donné cette réponse. Tout d'abord, dans l'anime, ils se sont montrés. En fait, elle met sa main, en fait, elle lève sa main, et en fait, elle regarde le ciel en relevant sa main, et sa main, en fait, veut attraper le ciel. En gros, c'est un peu le principe. Donc, elle attrapait souvent le ciel du matin, cette nuit, mais là, elle le fait souvent, quelle que soit l'heure de la journée. Même maintenant. Alors qu'elle était en train de marcher et parler avec quelqu'un, quelque chose à l'intérieur d'elle semble s'être activé. Honnêtement, ça fait un peu peur. C'est trop tôt pour les étoiles, Mayuri. Je me dirige vers Mayuri et je l'appelle. Elle descend lentement sa main avec un sourire blanc sur son visage. Tu le savais ça? Même durant la journée, les étoiles restent toujours ici. Être philosophique, c'est bien, mais c'est dangereux de rester ici, de stopper ici, en plein milieu de la rue. Ah oui, c'est vrai. Oh, maintenant alors que je dois regarder dans les étoiles, j'ai décidé d'avoir du ramen pour aujourd'hui. Comment les ramen et les étoiles peuvent être reliés? L'état d'esprit de Mayuri travaille de différentes façons que les nôtres.
Je sais que je vais chercher pour le IBM 5100, mais je n'ai aucune idée où trouver. Je suis resté une heure dans un bout de café en cherchant des informations, mais je n'ai trouvé rien. J'achète du jus de mangue avec du tiapoca dans un magasin de jus à l'intérieur de Zyodobashi. Je me perds moi-même dans ma pensée alors que je le bois. C'est le samedi, donc ça commence à être assez important. Il y a beaucoup de monde donc en face de la station de train. Quelques serveuses servent des pamphlets, plutôt des tracts aux personnes qui sortent. Je sais que Daru connaît vraiment des rétro-PC, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah oui, Shining Figure était obsessionnel avec ce IBM 5100, n'est-ce pas? Je suis vraiment inquiet de contacter cette démon du mail, par contre. Mais cette fois, mes feelings sont triviaux. Ragnarok est dans la balance. Donc, je me décide de ne pas m'ennuyer. Je finis ma boisson et je me dirige vers Shiodori. Ici vient un email, alors qu'il vient comme s'il était prêt à arriver. Et c'est Shining Finger. Bon. Est-ce que tu me reviendras à moi, Moeka? Bordel. C'est comme si elle pouvait lire mes pensées. Je scanne l'endroit en trouvant cette fille dépressive dans la foule. Aucun signe de elle derrière moi. Bon, je devrais lui donner une réponse. Je ne sais pas quel est le numéro de Shining Finger, donc je vais juste envoyer un email pour l'instant. Dans ce mail, je lui ai demandé de m'appeler et j'ai inclus mon numéro de téléphone. Maintenant, j'ai juste à attendre pour sa réponse. Et la voici. C'était une réponse rapide. Mais je lui ai demandé de l'appeler. Pourquoi elle me répond par mail? Hein? Elle veut par email? Tu m'as finalement contacté. J'aime pas trop parler sur le téléphone, alors échange d'email à présent. N'est-ce pas, Moeka? Il y a beaucoup de choses à couvrir. Je n'ai pas envie de tout taper. J'ai besoin de savoir quel est son numéro de téléphone. Donne-moi ton numéro de téléphone ainsi que les informations que tu as sur le IBM 5100. Et envoyé. J'ai regardé mes emails et j'ai vu beaucoup de personnes en face de Radio Kaiken. J'imagine que c'était vraiment encore un grand deal. Plutôt un grand événement. La présence des médias ne s'est pas encore tue depuis le jour du crash. Radio Kaken est toujours fermé. Et bien sûr, le satellite est toujours là. Il n'y a même pas 30 secondes avant qu'un mail s'arrive devant moi. Alors que j'ai regardé pour regarder cet email, j'ai vu un visage familier dans la foule. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, vous avez compris que c'est Makisa Kuroesu. Qu'est-ce qu'elle fait là? Nous serons ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était GF, stay tuned for more, whatever is with me is Steins Gate. Et bien évidemment, bien sûr.